Salut à toutes et à tous, c'est Selinka et Kiran. Salut Selinka. Sur Duo Camille, on se retrouve à bord d'un rafio abandonné. Tout pourri, voilà. Et un peu... tu cherchais ton mot. Non, en fait, je trouvais que je suis très lente dans... Dans ton élocution dans les escaliers, en fait. Et attention, donc, pique, voilà. Attention, pique. Oui, c'est pas grave. Comment dire, donc voilà un peu quoi, t'as dit quoi toi? J'ai dit attention au pic, abandonné. Et un petit peu hanté aussi. Un tout petit peu. Donc pas tant que ça, abandonné, ma foi. Donc on se retrouve là, comme la dernière fois où j'avais dû revenir sauvegarder. Bah parce qu'on n'avait plus le temps, tout simplement. Tu devrais pas dire ce genre de choses, on se retrouve comme la dernière fois, parce que c'est dur. C'est même impossible de se retrouver comme la fois prochaine. Oui. Après, tu dis que le navire, il est pas abandonné. Ça, c'est raté. C'est parce que j'ai pas touché un bout de ciel. C'est du grand n'importe quoi. Allez, on fait monter les eaux. Non, il y a un endroit où tu as pas touché le ciel, mais si, tu as touché un bout de ciel. T'en as touché un gros bout, même. Oui, et il y a un tout petit bout où j'ai pas touché le ciel. Bah voilà, c'était comme ça qu'il fallait le dire. C'est plus filiforme. Allez. Bref, tu dis que le navire, il est pas abandonné parce qu'il y a des fantômes. Mais les maisons qu'on dit hantées, on les dit souvent abandonnées aussi. Donc. Ouais, mais pour moi, si c'est hanté, c'est pas complètement abandonné. Bah mais oui. Ça, c'est moi, c'est ma vie. Mais enfin. Bah oui, mais. C'est tout sauf un rond. Mais non, mais là, c'est pas le fait que c'est un rond, c'est que j'étais devant. Bah oui, bah alors, voilà, blablabla. Voilà, bla. Hein, on fait. Voilà, il y a une balance où il y a un point du poids, pardon, que d'un seul côté. Donc il va falloir mettre du poids de l'autre côté. Ouais, mais là où je comprends pas trop, c'est pourquoi ça clignote aussi de ton côté les deux crochets. Là ? Ouais, les deux crochets, ils clignotent ici. Ah ouais, mais on peut rien faire là. D'accord. Mais non, donc, mais là, je vais revenir en arrière et puis vu qu'on a fait monter les eaux, ça va sûrement provoquer quelque chose. Ouais, j'y étais. Allez! Là, il me semble qu'il va y avoir un petit quelque chose. Non? Bah, vas-y. Si. Voilà, ils attendaient juste que je sois dans l'eau. Alors, vous vous rappelez nos deux crabes, nos amis les crabes? Ah, d'accord. C'est des crabes requins. Le requin dont tu parles. Il y a une question que je me pose maintenant. Est-ce que SF, il a parlé de ce requin dans sa vidéo des requins? Oui. Il en a parlé de celui-ci? Enfin, il en a parlé. En tout cas, on le voit. On le voit, ça, d'accord. C'est sûr, ouais. Ok. C'est un boss ou c'est... Non, je pense que c'est juste un... Oh, je l'ai chopé au vol, t'as vu ça? Joli. C'est juste un mob. Enfin, franchement, si c'est un boss, il est pas bien compliqué. Hein. Je dois te dire qu'il est... Il est en l'air. Ouais, je l'ai raté. Oula. Oui, mais tu peux orienter ta caméra en l'air, tu te rappelles. Ouais. Là, il ne bouge plus, donc on va lui bousiller sa carapace, à mon avis. Son armure. Pour l'instant, sa barre de vie n'a pas diminué. Ah, mais ouais. Voilà, d'accord. Regarde, voilà, on a bousillé la... Ouais, enfin, t'as plus d'encre. Hein. Ouais, ça va revenir. Voilà, pas besoin. On a juste poussé dans le... Il est pas très... Ah, il est très pourri, hein. Ouais. Donc je pense que c'est même pas un mini-boss, là, à ce stade. Hein. Pourquoi c'est ça vraiment... s'est réapparu, ça? Ça réapparaît tout le temps. Dès que tu... Allez, on y retourne. Tac, tac, tac. J'adore quand tu finis pas tes phrases. Oui, ça arrive. Je sais pas ce que j'ai avec les ronds aujourd'hui, mais ça va pas. Ça va pas du tout. Mais ces plaques tout à l'heure, elles y étaient pas. Hein. Hey, attends, reviens en arrière, reviens quand même en arrière, s'il te plaît. Reviens en arrière. Non, mais pas revenir en arrière, je veux dire reviens en arrière. Voilà. Et là, tu vas sauter à gauche. Je sais pas, ça s'observe, il y a peut-être quelque chose. Y a rien. Non, mais tourne la caméra plutôt que de tourner ton chien pourri. Y'a rien. Ok, d'accord. Mais ça s'observe. Ça s'observe si tu veux, mais y'a rien. Et là, à gauche. Y'a des jarres. Et des pics. C'était cool. Ok, d'accord. Voilà. Bim, bim. Voilà. Et donc là, ça nous permet d'aller voir de l'autre côté. C'est ce tonneau-là qu'il faut amener Je ou pas? Je pense que c'est ce tonneau. Hein. Il y ressemble en tout cas.
Là, les crochets. Ouais, ils y ressemblent même beaucoup, beaucoup. Tu les vois, les crochets ? Non, 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 mais regarde, il y a les anneaux pour les crochets, pardon, je voulais dire. Ouais. T'es passé à travers ? Ouais, j'ai l'impression. Attends, saute dessus ? Non. Ah. Ah non. Oh mon dieu, il roule ? Faut le faire rouler ? Ah. Non. Ah non, 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 d'accord. Alors, un coffre. Voilà, regarde là, il va falloir faire exploser des trucs. T'aimes bien ça, hein, faire c'est exploser cool des trucs. C'est cool de faire exploser des trucs. Donc regarde là, il y a encore un portail. Donc c'est peut-être qu'il y a un monstre qui va apparaître prochainement. Bon, voilà. Peut-être pas. Mais ouais, mais non. Parce que regarde, là, si je mets la bombe, à mon avis, essaye donc. S'éteint. Essaye donc. Heureusement qu'on compte pas sur toi. Hein. Comment je fais pour le faire des... Ah ouais. Oh, pas mal. Faut faire balancier. À mon avis, là, c'est celui du bas. Ouais. Voilà. Ah, c'était le bon. Ouais, ah, ça, celui du milieu. C'est une clé. Ouais. D'accord, c'est la clé pour la porte. La porte qui est juste l'eau. Derrière, là. Ouais. Attends, attends. Mets-toi bien au milieu. Ouais, ce que je vais faire. Non, ça, c'est attends. Pas au milieu. Là, c'est bon, hein. Non. Non. Avance un peu. Voilà, là, hop. Vas-y, là, je pense que ça devrait le faire. Je pense aussi. Non, mais t'aurais dû te remettre un peu sur l'avant. En fait, mets la bombe maintenant. Mets la bombe maintenant et reviens vers la bombe. Ça devrait remonter. Voilà, nickel. Ah là, on a eu les trois. Par contre, comment tu montes ? Compliqué ça. Déjà la clé, comment tu l'obtiens? La clé, bah, faut va faire falloir baisser l'eau, faudra faire baisser l'eau. Hein. Ouais, non, mais n'importe quoi. N'importe quoi! Allez, saute. D'accord. Ah oui, effectivement, j'avais pas vu ça. Ouais. Voilà. Un fragment solaire. T'en as un sur trois. Là. Raté. Bah, fais un nénuphar juste devant. C'est Linka. Fais un nénuphar juste devant. C'est Linka. Oui. Il était bon, mon nom. Non, il était dégueulasse. Ah, mais il a fonctionné. Une perle. Donc, c'est cool. Maintenant, bah, ma foi, je pense qu'il va falloir faire quelque chose avec... Déjà, monte sur le canon et regarde, tu as vu que tu pouvais partir là-bas, à droite. Enfin, à tout droit, là, maintenant. Ouais. On va y aller. Un coup de nénuphar. Non, pas besoin. Là. Ah ouais. Allez, c'est marrant parce qu'on dit non, pas besoin. Oublie pas, c'est ta prêtresse qui... Mais le... enfin... Bah, il t'empêche de passer, c'est normal. Voilà, vas-y. Ouais. Bah ouais, mais je veux dire, c'était évident. J'avais complètement oublié. Non, oriente mieux ton écran. Oriente mieux ton écran. Non, mais je veux dire, pendant la pause. Il te tape pendant. Hein. Voilà. Voilà. Et ici. Bam! Voilà. On continue. On continue. Il y a quoi là? Des crânes et un coffre. Tu peux les détruire, les crânes? Ah, une perle. Oui, je pense qu'on peut les détruire. Vas-y. Hein, avec un coup de shit. Ah, c'est marrant. Ouais. Ça. Enfin, c'est dégueulasse, mais c'est marrant. Tac, tac, tac. Ouais. Ouais. Je me souviens pas de ça. Je sais pas, la logique voudrait de ne pas rester là, mais après, tu fais ce que tu veux. Hein. C'est quoi cette main dégueulasse? Bah, ce serait genre la main de Poséidon. Une vermine rampante sous-marine. Bien dégueulasse. Ah bah regarde, c'est ce vilain là. Ah bah, ça va t'aider à avancer. Ah bah ouais. Non, mieux que ça en fait, ouais, tu dois te mettre. Je pense que c'est pour aller là. Non. Non, tu vois les tonneaux qu'il y a sous l'eau? Ouais. Bah va te mettre au-dessus d'un de ces tonneaux. Bah ouais, c'est Linka, réfléchis. Voilà. D'accord, il vient plus. Non, il ne vient plus. Alors, c'est peut-être parce que t'es trop loin de lui maintenant. Oui, c'est ça, c'était trop loin de lui. Tu vois l'autre tonneau vert là-bas? Non.
là-bas. Ouais. T'y vas. Ah, vas-y, vas-y. Et vois s'il est capable de le soulever. Là, là, mets-toi sur le tonneau. Il passe à travers, là. Ouais, il passe complètement à travers. Il passe à travers. Ok, donc on est sûr que c'est pas ça. Ok, ok. Non, donc, regarde, pourquoi je monte là-dessus, je pense. Oui, bah si tu faisais un double saut plutôt que de faire ton... Voilà. Voilà. On y est. Alors, et là-bas... C'est une cage, attention. Ouais. Ah non, mais une fois que tu en... Non, mais une fois que tu te le manges... Non, pas du tout, c'est simple. Mais ah, simplement, mais il faut sauter quand c'est en bas. Je n'avance pas, n'avance pas. Voilà, bah, avance unique. Mais oui, mais ce que je veux dire, c'est avance uniquement quand tu as passé... L'obstacle. Tu sais que j'aime pas du tout les grosses mains. Non mais c'est pas les grosses mains, c'est que t'aimes pas les énigmes, t'aimes pas les phases de combat, t'aimes pas les phases d'exploration, t'aimes pas les phases de farm. Qu'est-ce que non, t'aimes? Non, j'aime pas les mains. J'aime pas les grosses mains. Non, oui mais d'accord, mais t'aimes pas les mains. Alors... T'aimes pas les monstres, t'aimes pas les fantômes, t'aimes pas les squelettes. D'accord, là on est ici. Bah oui, si tu tombes, t'auras fait tout ça pour rien. Ouais, c'est pour ça. Hop là. Donc à toi de voir, veux-tu tomber? Non, je ne veux pas tomber. Moi je serais toi, tu vois, je resterais ici, je me poserais genre là, tu vois, je bougerais plus. Mais. Alors. Non. C'est... Ah, le tonneau. T'as coupé. Ouais, mais. C'est débile. C'est... Il faut qu'il aille là. Tu vois, faut qu'on le fasse tomber et qu'on le pousse à la nage, à mon avis. Je pense que ça doit être ça. Saute. Bah saute. Ah bah je pensais pas qu'il allait aussi vite, c'est moi. Bah ça se voit, je veux dire, y a pas à penser, y a juste à observer. T'as vu qu'il roule. Non mais je veux dire, Selinka, soyons cohérents. Non? Ok. Oui, attends, je suis très... Selinka très... est absente pour le moment, veuillez très, lui laisser très un message. Pour pas tomber dans l'eau. Ouais. Et... C'est vrai que ça demande une grande concentration. Ah mais oui. Une énorme concentration. Donc là, on va monter, puis on va faire une petite pause qui s'impose. Je monte. Voilà, c'est bon. Je vous dis à tout de suite. Heureux. Donc voilà, donc on est monté. On a équilibré la balance. Et je... Une statue de singe. Et je, une statue singe. Et je récupère une statue de singe. Moi, mes bonnes résolutions pour l'année 2015, ouais. C'est d'emmener Selinka à des cours de français. Ça serait pas mal. Ça lui apprendrait à épeler les mots. C'est que les gens, à les ils vont dire que t'es méchant avec moi. Ouais, mais en même temps, est-ce que t'es gentil avec la langue française? Hein? Quand je finis mes phrases, oui. Bah dis donc. T'as vu ça? Bah ouais, ça c'est quand tu te concentres, c'est pas mal. C'est tellement magnifique. Et tu peux pas leur mettre genre un coup de lame? Non, lui il est là. Il s'en fout, voilà. Bon, donc, d'accord. On bon. A équilibré la balance, c'est ça hein? Bah ouais, mais je vois pas ce que c'est censé faire, franchement. Bah, vas-y, saute pour dessus. Moi, on va voir. Quoi encore? Alors pourquoi elle reste déséquilibrée quoi? Pourquoi elle reste déséquilibrée? Ah, je te le remontrerai si au près. Montage, tu l'as pas dit comme ça. Hein. Si près, mais à la fois si loin du but. Est-ce que ça serait pas... Non, mais c'est peut-être à cause de l'eau. Faut faire... Tu peux pas faire descendre le niveau de l'eau? Ah si, il suffit de faire la nuit. Eh ben voilà. Faisons la nuit. Oriente mieux ton écran. Putain, non. Ça marche assez honteux. Ah bah, ouais, mais ça, c'est vraiment... Je sais pas ce qui est le plus honteux, que tu l'aies fait ou... Ou que ça marche. C'est honteux. Voilà. Et voilà. C'est cool. Donc, on va voir ce qu'il y a là-bas, du coup. La main, tu le sais. La main. Du coup, la main... Ah bah non, il n'y est plus. Regarde, lui, ça. Tu peux le... Vas-y, saute. Mais vas-y. Selinka, pourquoi tu restes buggé? Sérieusement. Ah ouais, d'accord. J'ai fait un bond. Tape-le. Bah non, je pense qu'il faut pas le taper. Il faut la paix, quoi. Tu peux pas lui pousser les tonneaux? Sans déconner, regarde, pousse ce tonneau sur lui. Il y a des pointes et tout, ça peut être marrant. Non, mais pousse non, avec ouais, un coup de tête. Mais carrément pas, ça bouge pas. Ah, ok.
Bon. Ça ne bouge pas, c'était juste là. Et bon, bah va déséquilibrer le tonneau là, va appuyer dessus. Pourquoi donc ? Bah j'en sais rien, fais donc, essaye. Mais là-bas. Non, je veux aller voir là-bas maintenant. Mais oui, mais moi je veux que t'ailles voir là-bas. Mais il faut que j'aille récupérer la clé qu'on... là où on a oui, ouvert. Oui, d'accord, mais regarde là, si t'appuies, il se passe quoi ? Bah rien. Mais c'est débile alors cette énigme. Mais non, ça a équilibré l'eau pour que je puisse aller prendre la clé. On équilibre pas l'eau. Là, ça a équilibré la balance pour amener l'eau. Un bon... Mais non, c'est la... C'est le jour et la... Oui, mais ça, tu l'as fait tout à l'heure. Je veux dire... Mais oui, mais on était obligé de faire monter l'eau pour pouvoir accéder ici. T'es bien d'accord? Et après, fallait faire baisser l'eau. Si, c'est logique. Pour moi, c'est complètement logique. Parce que si l'eau n'était pas montée, on n'aurait pas pu passer de ce côté-là. C'était trop haut. Ah, c'est peut-être pas faux. Voilà. Donc, ça c'est pour remonter ensuite. Pendant l'œil! Voilà. Ça se précise. Donc là. Ça, c'est une porte de boss? C'est une porte. D'accord. Okay, vous dites en tout cas. Il y a un gros fantôme. Ouais. Bah vas-y. J'arrive pas à la. Voilà, c'est bon. Encore. Attends, non. Oh, il m'embête. C'est bon, il est plus là. Alors, à mon avis, il y a des mimiques dans le coin. Alors, tu veux savoir quoi? Déjà, débarrasse-toi de ce truc. Il est... Oriente la caméra. J'y arrive pas. C'est avec l'autre stick. Il est plus là. Alors, mets la caméra bien et fais un long balayage pour défoncer tous les coffres. Non, un long balayage. Une grosse lame, quoi. Non, mais tous d'un coup. J'ai l'impression que les mimiques, c'est les plus clairs, là, quand même. Bah, essaye. Vas-y. Le maillet. Et voilà. Tu te souviens de ce qu'il fait, le maillet? Bien sûr. Il rappe petit, c'est ça. C'est exactement ça. Ah bah, voilà. Voilà, c'est pour ça qu'on est venu dans le rafio tout pourri. Allez, on s'en fiche. Défense d'un petit trou comme ça. De quoi pouvait-il bien parler? On dirait que c'est ça. Que ce que je... Ah non, on cherche la peau du renard, c'est ça. Bah oui. Voilà. Et il n'est pas sur le bateau. Tout simplement. Peut-être, mais naviguer sur les mers maintenant, c'est du suicide. Retournons réfléchir en ville. On va finir ce qu'on va faire. Hein. Ouais. Voilà, ouais, t'as raison. Vas-y. Vas-y. Donne des sous. Là. Oh, elle explose. C'est vilain. J'ai cru qu'elle allait disparaître, la perle. Bah, je pense que c'était. Elle allait disparaître, hein. Ouais. Ouh, j'ai cru que tu l'avais raté. Donc là, il reste une mimique, là. Ouais. Je l'ai vu. Et tu brûles. As-tu vu que tu brûlais? Oui, tu brûles. Pourquoi je brûle? Bah, je pense que c'est parce que t'as explosé. Ah, avec la mimique, ouais. Bah, écoute, on va. Un cœur, là, t'en as 7, c'est bon, vas-y. Voilà. Récupère ce que la mimique a donné en explosant. Il me semble que... C'est venu vers moi tout seul. D'accord. Les sous viennent vers moi. Ils sont attirés par moi. Tu pourrais pas gérer mieux la caméra? Parce que ça, c'est horriblement chiant. Célinka, baisse la caméra. Merci. Voilà, si tu veux. Non, mais je sais pas si ça t'amuse de jouer en aveugle, moi pas. Alors, on se casse maintenant. Oui. Il y avait pas de boss, il y avait rien. Rien de plus. Là-dedans, non. Bon, d'accord. C'est très décevant. C'est un niveau... je sais pas. C'est décevant. Ah oui, non, mais c'est... On se faut pas s'attendre à grand-chose. Et je pensais qu'Okami supportait pas l'eau. Oui, non, mais dans les cinématiques, il la supporte, l'eau. C'est d'une logique. Il y a quelque chose qui arrive. Ouais, là-bas. Ouais. C'est pas un hors-board.
Il est fatigant, il saute quand même. Hein. Moi, je trouve qu'ils en ont fait un peu trop, tu vois, dans cette cinématique. Bon, on sait très bien que c'est le dragon des mers qui arrive. Non, moi, je sais peut-être pas. Bon, quand même, tu vois le truc derrière. Moi, je vois qu'une chose. Oui, mais je pense que ce qui est, c'est voulu, quand même. Là, t'as pas vu derrière? Non, rien du tout. Absolument rien. Pervers. Je vois qu'un truc en rythme avec Izun. Ah ouais, là, Izun qui saute, c'est ça? Ouais. D'ailleurs, j'ai l'impression que tout est en rythme. Oui, tout est en rythme. Sauf le dragon derrière qu'on ne voit pas. C'est ça. Bah, parce qu'on l'a pas vu. Non, on se doute qu'il est là. Ah non, c'est un peu comme rien, on voit c'est rien. C'est un peu comme Godzilla, tu non, sais. Non, on est hypnotisé. Et là, tu le vois? Ah, peut-être. Je perçois vaguement quelque chose. Non, je le vois plus. Ouais. C'est fini. Ah, je le vois toujours pas. Je vois. Saleté, hein. Je le vois plus, mais là, c'est normal. Ah, ça y est, je le vois plus. Tu vois pourquoi elle nous faisait chier à monter sur notre dos alors qu'elle peut marcher sur l'eau. J'ai jamais vu un bond aussi improbable. Et donc, tu le combats, lui? Je sais plus. Je crois pas. Ça me paraît très... quelque peu dur. Je crois pas hein, que je le combat. Je suppose que c'est par... Non. Oui, c'est par là. Ok. Ça... Ah, t'es tombé du... Non, c'est génial. Ah, il avale. C'est cool. J'ai pas pu sauver. Game over. Alors, quand... Mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Il ne s'aime pas, oh mon frère. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est peut-être fait exprès. Pour ah oui, faire oui, oui, de toute façon. Non, mais façon. C'est peut-être fait comprendre, en gros, pour te dire que tant qu'il est en mer, tu peux rien faire. Ah oui, oui. C'est pour te dire, en gros, à chaque fois que tu vas dans l'eau, il te ramènera sur la plage. Ah, ouais, le maillet qui saute tout seul. ça te surprend même pas, quoi. Je veux dire, il y a un truc qui se barre. Mais tu peux pas le rattraper, je suppose. Non, 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 c'est... En gros, c'est... Il est calé sur ta vitesse. C'est ça. Évidemment. C'est d'une logique sans nom. Donc, je veux dire, si tu te prends un arbre, lui aussi. Lui passera à travers, mais oui. Ah, lui, au moins, il est malin. Ouais. Alors, où en sommes-nous niveau timing? Ben, ça va coïncider avec la fin de l'épisode. D'ailleurs, je pense que tu pourrais t'arrêter là. Non, non avant. Parce que je vais sauvegarder, parce que on n'est jamais à l'abri d'une petite coupure de courant. Ouais, mais t'as raté un halo vert. Si tu reviens, il y avait un halo vert. Je reviens. C'est pour ça que quand je te dis tu peux t'arrêter là, tu pourrais me faire confiance une fois de temps en temps. J'ai raté un halo vert. Ouais. Non. Où tu vas? Remonte. Remonte. Moi, je l'ai vu sur ta gauche, là. Ah, bien vu. Ben non, c'est toi mal vu. Parce qu'il n'était pas dur à voir. En plus, tu peux creuser je maintenant. Je peux creuser, j'ai griffes d'acier. Bah, vas-y. On creuse, on creuse, on creuse. Et un trèfle, hein. C'est cool. Oh, ça va pas. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais ça va pas du tout. Hein, les ronds et tout ça, je suis pas fier du tout. Mais je sais pas, j'ai pas vu un seul rond depuis le début de la partie. Allez, on va sauvegarder. Et ben moi, je vous dis... Bah, à demain. Fais des gros bisous. À demain, Selinka. Demain, on abordera le sujet très intéressant... Je t'écoute. ...de l'origine de Sakuya. Ah, c'est intéressant, ça. Donc, Sakuya, qui est la déesse du cerisier dans le village Kamiki. J'aurais dit la déesse des fesses, ou des nichons, je sais plus. Si tu veux, mais là, si tu parles de nichon, on va penser à la prêtresse qui s'est enfuie. Bah oui, mais la première fois, les quelques premières secondes où tu vois Sakuya, elle a quand même une robe qui est ouverte au niveau des fesses. Oui, donc c'est pas nichon, c'est fesses. Qui forme d'ailleurs une pêche. Oui, c'est exact. C'est bon, sur ce, on fait des gros bisous. À demain. Salut.